En Méditerranée, l'eau a toujours été une ressource rare et précieuse. Les habitants du centre de la Tunisie, qui vivent près de l'oued Merguelil, le savent bien. Pourtant, les besoins en eau ne cessent d'augmenter, faisant peser une menace importante de pénurie dans un avenir proche. Pour bien comprendre les problèmes liés à la ressource en eau dans cette région et pour proposer des solutions pour l'avenir, des scientifiques tentent de comprendre les causes de cette pénurie annoncée. Leurs travaux s'intéressent depuis une dizaine d'années aux évolutions de l'environnement et de la société de cette région aux environs de Kairouan. Car ce territoire illustre particulièrement bien les enjeux de la maîtrise de l'eau en Méditerranée. Des scientifiques ont mené des travaux de recherche en hydrogéologie pour comprendre la distribution et la circulation de l'eau de la surface jusqu'au sous-sol. Des études en sciences sociales ont également été menées afin de saisir le plus finement possible les usages de l'eau de la population qui vit le long de l'oued Merguelil. Cette approche multidisciplinaire permettra d'apporter des réponses les plus adaptées possibles en matière de maîtrise de l'eau, en tenant compte des hommes, de leurs pratiques et de leur environnement. يعني الناس كل ماشي ديما موجود لهنا باي كبير امه كبيره ما تنجمش تستقضي هذا يعني على 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 الماشيه باش تستعمل هذا نجيبوا فيه نمشوا نبعدوا بعيد ونجيبوا فيه ظل على قلالنا ونرتاحوا ونرتاحوا باش نجيبوا الماء على ظهورنا واللي عنده حشاك علاش يجيب زايله هانو يجيب فما نحن نجيبوا فيه على ظهورنا باش نسقوا باش ننتجوا زيتون هذا وباش ننتجوا الزر وباش نبنوا لمحال والله مشاكل تو بالنسبه مشاكل كبيره تو بالماء تو بالنسبه توقيت انا البيام البارح برك قلت لهم سايبوا لي الماء على خاطر تو خضرتي هنا يقول بالتحضر معناتها قبل العيد تحضر تو مش توخر اقل شيء بعد العيد ما عادش الواحد يروح ما يلقاش روح خاطر القطار تصرف عليه انت تو القطار توصلي حتى 3 ملايين 3 ملايين ونص ما ترجعهاش لكان ما توصل ما ترجعهاش كان الماء قاص ما يمشي تجي ما تجيش النباتيه ما تجي ما توصلش الانتاج ما يوصلش Pour élaborer une stratégie d'exploitation durable des ressources en eau, les autorités nationales ont fait appel à des équipes de recherche tunisiennes et françaises. Imaginer une nouvelle gestion de l'eau dans la région si aride de Kairouan impose de rassembler expertise scientifique et implication des utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de rassembler autant de disciplines différentes ?
Simplement parce que le système que l'on va étudier, qui est un système à la fois environnemental et social, est un système extrêmement complexe. Et chacune des composantes de ce système n'arrête pas d'évoluer et va influencer les autres composantes de ce système. Et c'est donc l'ensemble de ces interactions, l'ensemble de ces évolutions qu'il va falloir regarder et décrypter. Par exemple, depuis la révolution tunisienne, nous avons observé une très forte augmentation du nombre de forages et donc la surexploitation de la nappe va encore s'accroître dans les prochaines années et le niveau de la nappe phréatique va considérablement baisser. De la même manière, les décisions des paysans de privilégier la culture de pastèques ou de blé ou de melon ou de tomates va dépendre de considérations strictement familiales, mais aussi de facteurs qui sont tout à fait extérieurs, qui sont nationaux, voire internationaux. Pour aborder cette complexité, une première approche consiste à mieux connaître la ressource en eau disponible. Donc le bassin versant amont du Merguelil représente environ une surface de 1200 km². Le fleuve prend sa source à environ 1200 mètres d'altitude au niveau de la dorsale tunisienne et s'écoule jusqu'au barrage qui est à une altitude d'environ 200 mètres. Le village de Kessra s'est installé autour d'une des sources les plus pérennes du bassin. Cet endroit du bassin est légèrement atypique. On a beaucoup plus de pluviométrie, environ 500 mm, c'est-à-dire deux fois plus que ce qu'on peut trouver sur la zone aval. On a une activité humaine beaucoup moins marquée, avec beaucoup moins de culture et beaucoup moins d'impact sur l'environnement et son évolution, avec notamment une forêt classée, chose qu'on ne peut pas trouver sur l'aval du bassin. Comme partout en Méditerranée, cette irrégularité des pluies s'observe dans le lit des rivières, où se succèdent des périodes de sécheresse et des crues parfois violentes et destructrices. Aussi spectaculaires qu'ils soient, ces épisodes ne sont rien en comparaison avec les dramatiques crues de l'automne 1969, qui ont noyé le centre et le sud de la Tunisie, faisant plusieurs centaines de morts et des milliers de personnes sans abri. Des crues aussi exceptionnelles qui surviennent moins d'une fois par millénaire ont accéléré la réalisation des grands barrages pour protéger les plaines et les grandes villes. Le grand barrage El Awareb construit sur l'oued Merguelil permet désormais de retenir l'eau de ces crues qui étaient autrefois inutilisables pour les riverains. Mais en fait, la masse d'eau la plus importante dans la région est cachée dans le sous-sol. Et ces eaux souterraines qui se sont infiltrées il y a quelques décennies, voire quelques siècles, étaient utilisées autrefois uniquement au travers des sources et de quelques puits, et maintenant de plus en plus au travers de forages. C'est l'ensemble des évolutions, à la fois des ressources en eau souterraines et des ressources en eau de surface, que les hydrologues suivent depuis plusieurs années, à la fois d'un point de vue quantitatif et aussi d'un point de vue qualitatif. Les observations météorologiques permettent de quantifier la pluie tombée sur le bassin. On mesure également la température, la direction et l'intensité du vent, ce qui permet de connaître la perte d'eau par évaporation dans les barrages. En hydrologie comme en météorologie, des mesures journalières sont réalisées par les techniciens du ministère de l'Agriculture. On a un réseau de mesures des ressources en eau, surtout sur le Merguelil. On a trois stations principales et cinq stations secondaires. Ici, la station de Hafouz, elle a un téléphérique équipé d'un saumon de 100 kg et avec un moulinet pour mesurer les débits de crue. Et on a eu une crue exceptionnelle en 1969 et c'est pourquoi on voit la largeur du lit de l'oued, ça arrive à 220 mètres comme portée et on a observé ou mesuré un débit max de 2900 m3 secondes. Et maintenant, grâce à ces mesures, on arrive à chaque année à faire des annuaires hydrométriques et des annuaires pluviométriques qui nous permettent de faire la gestion
construction des barrages, des lacs collinaires et les ouvrages hydrauliques. Comme les écoulements de surface, les écoulements souterrains sont mesurés régulièrement. Les contrôles manuels sont réalisés tous les mois ou tous les deux mois, et parfois depuis plus de 40 ans. Les sondes électroniques permettent désormais d'enregistrer chaque heure les variations du niveau des nappes. Le plus souvent, les mesures sont réalisées dans des forages spécialement dédiés à l'observation scientifique. Mais il est aussi nécessaire d'équiper des puits appartenant à des particuliers quand ils ne sont plus pompés. En surface comme en souterrain, les équipes de recherche contrôlent également la qualité chimique de l'eau, les variations de la salinité et les proportions de ses différents constituants, ce qui fournit des informations précieuses sur les origines de l'eau, son âge et son cheminement. Cette masse d'informations, qui est très rare en zone semi-aride, est indispensable si l'on veut bien comprendre les évolutions des ressources en eau dans la région. Les données disponibles montrent qu'il n'y a pas eu d'évolution spectaculaire ni à la hausse ni à la baisse des pluies depuis un siècle en Tunisie. Il faut donc chercher les causes de la dégradation des ressources en eau dans la région de Kairouan parmi d'autres facteurs, et c'est bien sûr l'homme qui est le premier responsable de cette dégradation. En surface, l'extension des cultures aux dépens des terres de parcours entraîne une hausse du ruissellement et de l'érosion, aggravant les crues les plus fortes. C'est pourquoi l'État tunisien a beaucoup investi pour construire des petits barrages et de très nombreuses banquettes qui retardent l'écoulement de l'eau sur les versants. De même, la multiplication des pompages dans l'Oued a évidemment diminué son débit. Tout comme les pompages dans les nappes ont provoqué une baisse importante de leur niveau. Les interventions de l'homme ont également bouleversé les échanges entre eau de surface et eau souterraine. Cette complexité supplémentaire est un casse-tête de plus pour les chercheurs. Un travail important pour nous hydrogéologues est de comprendre quelle part de la baisse s'explique par les pompages trop importants et quelle part s'explique par la recharge insuffisante des nappes. En effet, ces deux phénomènes se cumulent puisqu'une année pluvieuse est à la fois une année où la recharge de la nappe est plus forte et une année où les pompages agricoles sont plus faibles. Un changement encore plus fort et inattendu a été observé autour du grand barrage El Awareb. Car avant la construction du barrage, en 1989, les eaux de l'Oued s'écoulaient dans la plaine et rechargeaient directement la très grande nappe alluviale de Kairouan. Le barrage arrête désormais toutes les crues, assurant parfaitement son rôle de protecteur de la plaine de Kairouan. Une partie des eaux ainsi stockées s'évapore, mais l'essentiel s'infiltre sous le lac du barrage et rejoint un système aquifère complexe. L'eau rejoint désormais la plaine de Kairouan en empruntant les fissures à travers le massif calcaire d'El Awareb. Ce nouveau processus couplant évaporation dans le lac et circulation dans les fissures calcaires modifie la qualité chimique de l'eau. On peut ainsi différencier dans la nappe de la plaine les eaux qui se sont infiltrées avant ou après la construction du barrage il y a 25 ans. Le volume d'eau disponible en surface et en souterrain a beaucoup évolué au cours des 50 dernières années et en parallèle les usages de l'eau et les utilisateurs de l'eau ont aussi beaucoup évolué. Et il nous faut en particulier connaître les volumes prélevés par les agriculteurs puisque l'irrigation représente de loin la plus grosse consommation en eau dans la région. Pour connaître les volumes pompés par les agriculteurs, les enquêtes se sont avérées insuffisantes et ne permettent pas de donner un résultat précis. Alors nous avons utilisé la télédétection, qui est un moyen objectif
Et qui permet un suivi de manière régulière, qui permet d'identifier les cultures entre elles, et irriguées et non irriguées. Et donc ça permet d'évaluer les consommations et également les évaluations des besoins à l'échelle régionale. Surtout que les superficies irriguées continuent d'augmenter d'une année à une autre, et surtout depuis 2011 avec la multiplication du nombre de forages illicites. Face à la surexploitation des ressources hydriques, les pouvoirs publics cherchent à trouver des solutions. L'une des solutions est l'économie d'eau. Une autre solution est le transfert d'eau à travers le pays du nord au sud. Mais toutes ces solutions de nature technique ont des portées relativement limitées. Ce qui est important à concevoir et mettre en œuvre, c'est des solutions qui prennent en compte les intérêts des usagers, les impliquer pour qu'ils puissent mettre en œuvre des actions collectives localement décidées et de les impliquer dans la gestion durable des ressources hydriques. Il vaut mieux promettre 7 années d'eau, 8 années d'eau à l'irrigation sur 10, que de dire aucune goutte d'eau ne va à la mer et on va ouvrir toutes les vannes pour la population. On est en défaut avec les équilibres naturels et on est peut-être sur des fausses promesses. Quelque chose de très important et qu'on prend malheureusement trop peu souvent en compte en Tunisie, la demande environnementale en eau, c'est-à-dire des zones comme celle-ci qui ont besoin d'eau. On ne peut pas utiliser toute l'eau à l'amont pour l'agriculture ou la satisfaction des besoins humains. On a aussi besoin de laisser de l'eau arriver jusque par là. Le bassin du Merguelil est un magnifique laboratoire à ciel ouvert qui nous a permis d'atteindre trois objectifs très différents. Le premier objectif est de mener des recherches interdisciplinaires sur l'évolution simultanée des ressources en eau et des usages de ces ressources en eau. Le deuxième objectif est de former des générations de futurs ingénieurs et de futurs chercheurs pour qu'ils comprennent sur le vif la complexité des enjeux de la gestion de l'eau en Méditerranée. Et le troisième objectif, c'est d'aider modestement les autorités nationales à mieux définir leur politique agricole et leur politique de gestion de la ressource en eau à l'échelle de la Tunisie.